YouTube, c'est le challenge numéro 20. Le challenge numéro 20, c'est puriste. Je me souviens plus de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas d'item. On va chez Leaves. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a pas d'item, c'est ça? On a que 10 items de boss? Oui, mais il suffit d'avoir ce pacte au Brimstone, quoi, au Devil Deal, puis c'est gagné. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le prank? Bon, je pense qu'il n'y a pas de salle d'item. Je pense que c'est ça le prank, c'est que puriste, quoi. Ça veut dire. On va essayer des shops quand même. Ce challenge, il lui manque d'idées. Ah, c'était le dernier. Hein. Ah, oui, il y a des shops quand même. Putain, mais j'avais les doubles soldes, quoi. Pourquoi ils prennent des dégâts, eux? Au secours. Oh, le skill, clipé. Hein. Clipé le skill, là. Hein. Je peux égale rien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je me disais. On va quand même vérifier, on va quand même vérifier. Hop. Squeeze, 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 squeeze. Allez, je vais vous montrer que même Vanilla, j'arrive à être fort au jeu. Parce que là, vous arrêtez pas de... Moi, Et je comprends, hein, vous avez... Moi, à votre place, je me dirais pareil. Non, mais Shaker, il a toujours des systèmes craqués. Aucun skill, ce type, que de la moule, c'est dégueulasse. Moi aussi, si j'avais des sites comme lui, j'aurais fini toujours en 2 jours. J'entends. Moi, à votre place, je serais pareil. Et avec ce challenge, je vais pouvoir vous montrer ma vraie valeur. Je vais pouvoir vous montrer ma vraie valeur quand je suis mis face à mes... Quand je sors de ma zone de confort. Regardez, avec ce monstre rouge que je vais faire perfect. Non, spoiler, je prends un dégât. Hein. Je spoil, je prends un dégât. Mais Regardez, regardez mon skill. Ouais, non, ouais, d'accord, ouais, là c'était chaud. Je vais mourir au boss. Je vais mourir. Ne vous inquiétez pas. J'ai la situation bien en main. C'est bon. Regardez, HP up. Alors j'avais pour idée de faire la salle de sacrifice, mais malheureusement c'est râpé. Putain, par contre j'ai même pas de... Oh non, mais ça c'est chiant, putain, j'ai pas de... Je peux pas ouvrir les coffres là-bas. Ah si, je peux récupérer cette clef. Avec la salle secrète à côté. Avec du pognon. Et là, Cricket. Ah, je crois que c'est la run ou jamais. Hein. Non. J'avais beaucoup d'espoir, mais malheureusement, elle n'y est pas. Par contre, avec 10 pièces, on peut tout à fait aller au shop et négocier un petit cœur bleu. Un petit cœur bleu au shop, je pense que c'est négociable. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est négociable. Et par contre, ouais, il n'y a pas de salle d'item, hein. C'est juste, ça a l'air d'être juste ça le challenge. Il faut aller à 8 leaves sans salle d'objet. Bon, c'est pas le pire challenge du monde, hein. Il suffit d'un petit item de Devil Deal. C'est cet item là qui va être charnière. C'est l'étage charnière, c'est l'étage qui va permettre de décider si on va se faire chier pendant 20 minutes ou pas. On va quand même casser les feux, hein. On n'est jamais à l'abri d'un manque de pognon. Putain, franchement, ça se super grid. Oh là là, non, mais je te déteste. Je vais le bait dans le feu. Hey. Oh, il a pas l'air si con que ça. Ah si. Chais encore. Incroyable. La petite pilule. Lockdown, bah super. Ah, merci pour le clip, Romicron. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Merde. C'est un vrai gamer sur 20 minutes. Non, c'est non. Je serais peut-être capable, mais il aurait fallu starter autre chose que dessert, quoi. Enfin, je dis ça, et en fait, ça se trouve, on va quand même le faire, le sub 20. Hein. Rien n'est fait encore. Oh, ces esquives, elles étaient sympas aussi. Hein. Comment ça se soigne mieux qu'au début de build? Mais n'importe quoi, ça n'existe pas, ça.
Ça n'existe que dans tes rêves les plus fous, soit musique en Devil. Et je jure sur l'honneur que si à un moment dans ce run j'ai Soymix, je le prends. C'est promis. Il y a très peu de chances qu'on l'ait, mais si jamais, je sais pas, par un concours de circonstances, Soymix nous est proposé, je promets que je le prends. On va aller voir le shop, puisqu'on peut passer par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a le cadeau. Le cadeau, c'est rigolo. Le cadeau, c'est rigolo, mais on n'a pas assez d'argent. Alors, est-ce qu'il faudrait pas aller faire un petit tour à la salle d'arcade pour rentabiliser notre argent? Ou notre santé? Voilà, c'est bon, stop. Non, il y a un cœur bleu aussi. On va te mettre à 20. Parfait. Un petit lock-up au passage. Bon, alors, on va tout brûler. Hein. On est pas assez prêt. Voilà. Trop bien la musique des salles d'arcade. Tu as Razorblade et Bobby. Ouais, mais dans le cadeau, il y aura Brimstone. Oh là là, incroyable. Putain, mais c'est vraiment l'étage du skill là. Hein. Le Joker, parfait. Pour un Devil Deal au plus en cas de manque de skill ou de manque de chance. Ok, ok, ok. Petite super secret ici? Là alors. Putain, c'est nul. Là, Junior, le vert en plus. Oh, bah, c'est... Il est rincé lui. Allez, oh là là, oh, c'est long. C'est beau mais c'est long. Au secours. On a dit que c'est la run du skill. Alors déjà. Déjà Binky pour le corbeau et les 3 de tir. Ensuite ce caca ne m'empêchera pas d'accéder au Devil Deal. Ah non, la Black Powder. Oh, ça me donne envie de jouer God Room, ça. Bah, après, je peux quand même mettre le cadeau. Le cadeau, il m'empêche pas d'avoir des God Room. Ok. On va aller se refaire un peu de pognon. Tiens, avec tes corbeaux. Et c'est... Ça va, là. On peut pas rigoler, hein. Hop. Bon voilà, comme ça vous allez pouvoir avoir des stages. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a perdu un peu de tier rate. On en avait gagné avec Binky, donc finalement c'est pas si pire. On a gagné énormément de dégâts. Enfin, on a gagné du dégât. Et on a les tirs perçants et ils ont une plus grosse hitbox. Parfait. Attendez, s'il n'y a pas moyen de... S'il n'y a pas moyen de... Non, malheureusement non. Bon, 25 euros. 25 euros, c'est une somme rondelette. Il va falloir dépenser le plus vite possible. Et pour ça, il va nous falloir les soldes. Pour ça, il va nous falloir les soldes ou un truc, quoi. Parce que 25, c'est pas non plus dingue, quoi. Bah, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'il y a drop? Ah, un cœur. J'en ai besoin des cœurs, je suis plus full vie. Donc voilà, voilà Deathtouch quoi. Deathtouch c'est les vacances. Hein. C'est moins les vacances que l'Epic Fetus, mais. Mais quand tu commences avec ça. C'est de plaisir. Alors, le shop, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, on en pense pas des masses, hein. Est-ce qu'on a envie de prendre le PhD? Bon, allez, le PhD, d'accord. Rentable. Rentable.
Merde, putain, je pensais qu'il avait pas le temps de tirer. Allez, Jackie. Tout le monde te regarde. Sympa le Balls of Steel dans le PSG. Ouais, sympathique. Ça, c'est le genre de pratique avec lesquelles je suis ok. On pourrait casser les caca, hein. On a le caca pétrifié. Pour avoir de meilleurs loot dans les caca, donc autant en profiter. Bah, ça a l'air bien marchand en tout cas, ça qui fait plaisir. Super. J'ai rien eu. J'ai rien eu en 6 caca. Et on va jusqu'où? Jusqu'à 8 leaves. Ah. On doit le faire. En plus, on a lancé un peu en retard, donc on peut terminer un peu en retard. À cause de Streamlabs. Un HP up, d'accord. HP up et speed up. Ça va servir. Un petit sacré dirt là. Un petit sacré dirt en God Room. On n'a jamais eu sacré dirt. Ce serait peut-être temps que les probas elles se réveillent. Parce que sacré dirt plus Death Touch, je pense qu'on a un concept. Hein. On a un concept de run gagné là, je pense. Hein. Ok. Ah, double trouble. On a fait le shop, on a tout fait, on se casse. Dingle et dingle. Ah. Merde. Mais oh putain, il lui reste un dash. Oh putain, il lui en reste deux. Au secours. Au secours. Merde. Mais je prends vraiment double dégâts sur dingle, quoi. Il va me dasher dessus l'autre. Ouais, ça je l'ai vu venir. Ok. Ok, on a pas eu de DVD Loucou, on a claqué le Joker. Oh non, mais Missing Page c'est nul, c'est un cœur noir et non, c'est de la merde. C'est de la merde en market. Sacré Dirt et les bombes d'Obidan en plus des larmes. Oui, je crois, ouais. Ah, c'est peut-être pour ça que je confonds alors. Ça fait quoi le Sacré Dirt? Ça fait l'arme autoguidée, boost de dégâts débile. C'est débile. Et tu l'as déjà eu en plus, Sacré Dirt PH Build. Toutes tes runs, toutes tes screens là, tu m'envoies là. J'ai déjà vu passer. Hein. J'ai déjà vu passer le Sacré Dirt. Bon alors. J'ai pas le droit d'oublier. Ah si, mais Sacré Dirt ça s'oublie pas en général. Je comprends qu'on oublie. Je sais pas moi. Shard of Glass. Shard of Glass, qui se souvient de cet item? Mais Sacré Dirt quand même. Oh, Tard Cloth c'est très bon. Il nous manque un euro ceci dit. Azazel avec des larmes autoguidées. Non, je ne crois pas. Autoguidé, c'est une belle traduction à homing, je la réutiliserai je crois, hein, parce que la tête chercheuse ça me gonflait, mais tête chercheuse ça me gonflait un peu, mais je trouvais pas mieux. Ça fait quoi Shard of Glass? Aucune idée. Il y a une histoire que ça te permet de régène, mais je sais plus dans quelles conditions, et je sais plus pourquoi, et je crois que c'est autre chose. Non mais y a pas de soucis, hein, piège bien, tu sais que moi... Je peux répéter sans aucun problème. C'est même pas ce qu'il fait. Bah, c'est exactement ce que je disais. Je disais, qui se souvient du Shard of Glass? Sous-entendu, moi-même je ne sais pas. Je suis pas un pro Isaac, mais voilà, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. C'était justement pour. Mais casse-toi! Ah, attention à la diagonale. C'est pour ça que pas nous la plèbe qui ne sommes pas des procureurs Isaac. At the chance. Ah attendez, on a une info. Putain mais ça me gratte le nez là, c'était. J'ai pas un mouchoir sur le bureau là.
Ah si. Non, bah non, pas du tout. Tant pis. Add the chance to drop a full rider upon taking damage at a separate chance to gain the enemy effect for the current room upon taking damage. Donc c'est de la merde quoi. TLDR, c'est de la merde. Ok. Mais merci de cette info. Ok, c'est nul. T'es un peu plus direct que moi, mais ok. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ensouz. Ensouz, la vision. La vision, c'est bien, mais la doubler, ça sert pas à grand chose. Bon, là, tu vois l'étage d'après quand il advienne. Oh, allez, là, non, vraiment, je. Ok, merci. Et la blanque rune, on l'a débloqué. C'est peut-être avec ce challenge qu'on la débloque, la blanque rune, parce que je crois pas qu'on l'ait débloqué encore. Ou alors c'est une rune qui a été ajoutée plus tard, et du coup, elle se débloquera dans les challenges rouge ou vert. Il y a une transformation en Zodiac. Non. Il y a un mode qui fait ça, je crois. Ah, bah voilà, une God Room. Attention, c'est maintenant Sacred Heart. Oh, c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue du tout. Qu'est-ce qu'on prend là? On prend. Mais il y a Eucharist! Non, non, pardon, il y a Eucharist! J'avais pas vu Eucharist. On prend Eucharist tous les jours de la semaine. Non, c'est pas Holy Water que je veux. Et là, c'était ma seule clé. Imaginez le drame si c'était ma seule clé. Par contre, Death Touch, ça fait pas tout, hein. Là, on se fait un peu chier. Hein. Ok. Merde! Blanc Rune, non, pas Blanc Rune, putain, Death Touch, c'est pas. Ouais, c'est pas non plus. Ça fait pas la run tout seul, quoi. Il faut l'aider un peu. Pourquoi j'ai régène? Ah, j'ai le placenta. Ce challenge débloque Berkano, bah super spoiler. C'est pas celui-là, mais je ne sais plus avec quel challenge. Ok, Blancune c'est le 30, d'accord, ça marche. Super, t'as spoilé YouTube en micro. Eucharist donc, qui permet d'avoir 100% de God Room. Alors c'est un peu différent de la Goated. Hein. La Goated, elle garantit qu'on ait une salle. Mais après, le pourcentage dépend de ses God ou Angel, ça dépend du deuxième pourcentage. Alors que Eucharist, non seulement ça garantit qu'on ait une salle, mais ça garantit que ce soit une God Room. Alors Goated, on l'a souvent en Devil Deal, donc du coup, ça garantit les Devil Deal, en général on dit ça, mais... Mais voilà. Le spam, ils savent pas ce que fait Berkano, c'est vrai que YouTube ne sait pas encore, et ils le sauront pas avant la fin de la VOD. Enfin, ils le sauront pas à la fin de la VOD non plus. Puisque les runes, je les explique quand on les récupère, c'est bien plus simple. Super. Il a le droit de faire ça, lui? C'est dégueulasse un peu ce qui s'est passé là, non? Ça, ça lag. Au secours. Je vais peut-être tromper des frames là, désolé si c'est le cas. Oh non, mais non! Oh non, oh non. Non, bah non. Gluttony. Bonjour. Le cœur. Attendez, mais... En fait, j'ai fait l'ange, mais ça sert à rien. Puisqu'il y avait Eucharist. En fait, je voulais prendre la clé pour avoir 100% de... Enfin, pour avoir augmenté les chances de God Room, mais... Mais vu qu'il y avait Eucharist, en fait, on s'en fout. Ouais, bah là, je peux pas tout faire. Vu le petit ralentissement, le PC qui meurt. Non, non, mais le PC il va bien. Le problème, c'est Nvidia là. C'est l'encodeur. Ouais, salut. Hein. Le problème, c'est la mise à jour Streamlabs quoi. Si je me mettais à un endroit non stupide comme ici. Oh, j'ai oublié d'activer Ansouz. On le mettra à l'étage d'après. Ok, on va aller par là.
Mais cette salle, elle est dégueulasse. On se fait chier dans cette salle. Je suis sûr que c'est à cause de Fortnite 2. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Fortnite 2. Ah si, on en a parlé en plus, pardon, on en a parlé tout à l'heure. C'est qui m'en a parlé? Sun to Shine, je crois. Ah, je sais plus. C'est bon de cœur rouge quand je joue Godrome. Ouais, c'est clair. Non, mais là, le jeu, il me file le Blood Bag, le Placenta, le cœur chez Gluttony. Je pense que je sais pourquoi j'ai plein de bons items là. C'est parce que le jeu s'est pardonné du Carrion Queen de tout à l'heure là. Le Carrion Queen pendant. Qu'est-ce que c'est? Enfin, je décide de payer la clé pour moins me faire chier. Qu'est-ce que c'était ce challenge? C'était Family Man. Family Man. C'était quand même bien l'enfer. Paf. Ensuite. Au secours. Au secours. Elle était agitée celle-là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Par contre, pas beaucoup de rochers marqués dans ces runs là hein, ce soir. Ce soir, pas beaucoup de rochers marqués. Le shop il est où? Mais j'ai pas d'argent de toute façon. Pourquoi j'ai plus d'argent? Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le PhD et j'ai pas eu d'argent depuis. Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Ils se font un bisou. Oh non! Oh non, 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 ah mais non, mais le débit, on s'en fout, il est garanti. Alors descends, arrête de te plaindre. T'es pas otage du contenu, hein, tu peux t'en aller. Hein. Si vraiment ça te saoule. Soon Bucket of Lord passé à Digger, j'avoue. Sac. Oh, c'est tout public ici. Hein. Ah, les mots sont durs. Les mots sont durs. Terrible. Hein. Le fondateur. Le fondateur qui dénonce. Avec son badge first. Ah, look. Oh, wow, très bien, parfait. On va avoir la boule de bandage. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah, il s'est bombé tout seul, bravo le beau. Deux fois. Non mais c'est bien que tu te plaignes, comme ça ça montre que ici tout le monde est traité pareil. Et que vous n'êtes pas des vendus. C'est pas parce que vous êtes sub et fondateur ou je sais pas quoi tant que je vous empêche de parler, de vous plaindre. Ça permet de montrer qu'ici tout le monde est libre de s'exprimer et de dire ce qu'il pense. Et ça c'est beau. C'est de la myrte. Ouais, c'est rigolo, mais. Ouais, je vais pas chercher les cœurs, ça me saoule. Hein. Ça me saoule. Là, ça fait 3 heures, je fais des heures sup. Là, hein. Là, je suis en heure sup, donc. C'est pour ça que tu viens de le ban. Mais non, je l'ai pas ban, ça pas ou quoi? Non, 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 je l'ai pas ban du tout. Je l'ai pas ban du tout. J'avoue que ça aurait été marrant. Je le ban en sneak. Mais non, non, quand même. Non, 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 non. Jamais ban personne, moi. J'ai fait quelques timeouts. Mais j'ai jamais bonne personne. Donc, je pense que la liberté d'expression est présente sur ce stream. Il y a même pas de règles sur le chat. Il y a même pas de règles. Bon, après, voilà, soyez humain non plus. Hein. Par contre, j'ai le ban facile. Hein. C'est pas parce que j'ai jamais ban qui que ce soit que j'ai pas le ban facile. Hein. Si votre pseudo me revient pas, il n'y a ni règle ni modo, c'est ça. On vit en harmonie. Jusqu'au jour où il y a un connard qui va faire chier. Et il va falloir mettre des modos, mettre des règles, ça va faire chier tout le monde, mais voilà, super. Super, personne n'en a envie. La boîte à pilules de maman. Bon, on n'avait pas d'activable, donc d'accord, mais... Pour des graphismes par exemple, qu'est-ce qu'il dit? J'ai piégé donc ça va, c'est vrai. C'est vrai que piégé ça va. Au secours.
C'est un connard qui passe. Ah! Non, non, mais je parle à un vrai connard. Non, parce que l'autre, il était un peu raciste, mais... Voilà, on l'a time out, il est jamais revenu. Bon, voilà. Ça va. On n'a pas fait des caisses. Non, je voulais pas faire ça. Ça, c'est du passé, on oublie. On oublie, ça. Bon, écoutez, je crois que j'en ai marre, hein, Storm. Storm, où il se passe rien, je crois que j'en ai marre. Et j'ai encore oublié d'activer en sous. Hop. Ah si, par contre, vraie info. Il y a déjà eu des modos sur cette chaîne, par contre. Bah déjà, il y a le bot. Mais bon, le bot, il compte pas vraiment. Par contre, Loremi est... Au moins pied, le Rémi, j'ai plus. En tout cas, au moins pied du bi a déjà été modo pour la race Splasher contre Anxest. Par contre, ça c'est vrai. Il a été modo pendant une heure. Ouais, bah d'accord, je prends ça. Ah bah allez, voilà le Holy Shot. C'était la saison 1 des Shikers. Ouais, c'était dans la saison 1. Bon, allez, on active en dessous. En exclusivité, j'y pense. Ah bah super, c'est un étage linéaire. Donc je suis bien content de l'avoir activé. J'ai aucune envie de faire cette salle, mais j'ai qu'une seule bombe. Donc on va se taper quand même. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mais c'est de la merde, un as de club. Un as de club, c'est de la merde. Petit cœur bleu gratos comme ça, moi je le prends. Encore toi? Pour avoir deux salles secrètes, d'accord. C'est pas... Oh, j'ai pas cette clé. J'ai pas cette clé, pas cette bombe, j'ai pas cette tout. Ah mais j'ai zéro de luck là, alors les holy shots, je pense qu'on va s'asseoir dessus. Hein. Bon, en vrai ça va, ça proc assez souvent. Oh énorme ça. La feuille, n'importe quoi, la plume. Ah merde, je peux pas aller dans la secret. La plume qui permet de faire en sorte que les anges droppent autre chose que leur bout de clé. Très utile. Ok. Sans le faire exprès, je suis pas le Forgotten Couteau. Visuellement, c'est la rigolo. Ah oui, Forgotten Couteau. Vite, il arrive. Putain, c'était close. Hein. Tears up, d'accord. Putain, mais. D'accord. Ok. C'est qui? Mama Gurdy. Oh non, c'est chiant. Et voilà, les piques, super. Ça, c'est balanced hein, comme attaque, les piques. Les grosses hormones. Mais il est où mon sacré d'or là? Qu'est-ce qu'on prend là? On prend la bille pour one shot It Lives. La colombe. La colombe pour voler. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu de voler quand on peut one shot oh, mais ça c'est de la merde en orquette. Ça fait un effet d'activable aléatoire. Ça fait voler et Spectral Tears, mais en vrai on s'en fout. Bon allez, je prends la Bible. Oh c'était nul cette run. On a eu plein d'items d'Angel Room, mais on n'a jamais eu... On n'a jamais eu un Sacred Heart ou un truc, quoi. On a jamais rien eu. Allez, je peux montrer ton skill, Talak. Bah le skill je l'ai démontré là.
Jouer Godrome, c'est surcoté. Bah, c'est rigolo, mais c'est vrai que des fois, on se fait souvent chier, quoi. Le truc, c'est que les meilleurs items sont très bien, mais il y a quand même beaucoup de chiasse. Il y a beaucoup de chiasse dans les Godrome, c'est ça le problème. Parce que les très bons objets, ils sont forts. Hein. Genre, c'est vrai que je parle, mais Holy Shot. Holy Shot. C'est quand même fort. Mais bon, après, en build deal, voilà, quand t'as Black Powder, c'est un peu chier, quoi. Non, mais je vous déteste, vous cassez-vous, là, allez, allez, allez. De toute façon, on a le placenta, donc Swan, elle est gagnée. Ce sera plus ou moins long, mais quoi qu'il en soit, on a gagné. Non, mais casse-toi, toi, allez. Je vais pas la repousser. Allez! Oh non, 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 mais cassez-vous. Moi, j'en ai marre. Davilis, t'as Brimstone, Abaddon, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai. En plus, il y a des cœurs partout, on joue en mode normal. Oh non, cette salle, je suis intolérant. C'était pas par là. Oh là là. Bon, après, voilà, on a eu des stocks. Power Pill, bah ça c'est très bien. Qui veut jouer Holy Water? J'avoue que Holy Water, le jour où on fait une tier list des items d'Isaac, j'ai un petit logiciel pour faire ça, un jour on le fera. Un jour on fera un stream de 5 heures où on classera des items d'Isaac. Faudrait que je mette un follow ou un sub goal pour ça. À 5 subs. À 5 subs, on fait un stream de 5 heures pour classer des items d'Isaac. Allez, je suis saoulé, j'en ai marre. Finis le jeu avant. Ouais, on finit le jeu avant. Je pense pas avoir 5 subs avant d'avoir fini le jeu, anyway. Quoique. Avec Open Tons. Allez. En plus de cœur. Encore vous? Non, mais en plus, je peux plus partir, là. Non, non. C'est chiant. C'est si chiant, c'est si chiant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, mais casse-toi! Cassez-vous! Oh non, oh non, 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 non. Non. Non, ça ira. Vraiment, ça ira. Merci beaucoup, mais non. Ok, super. Alors, c'est sale en plus avec des stats, elle est venue gratuite. Enfin, elle est gratuite, voilà, on prend un petit dégât, mais super. C'est où que ça se passe? Bonjour, au revoir. Et là, on me donne ça maintenant. J'ai oublié de faire l'ange à l'étage d'avant, je crois. Si, j'ai pensé ou j'ai oublié? Et mon trinket? Super. Super. Et on a débloqué la Rune of Berkano. Oh là là, je ne m'y attendais pas. Super. Bon, on aura mis combien de temps? Ah, mais 35 minutes quand même, hein. Dis donc, la VOD, c'est vrai que la VOD a duré un peu de temps. J'y avais pensé. Ok, nickel. T'as pas assez de charge pour one shot it leaves. Non, mais il y avait des batteries, ok. J'avais pas activé la Bible comme ça, bah oui, non, mais quand même. Allo, plutôt que Wafer. Bon, on s'en fout, c'était terminé. Si, en run normal, j'aurais peut-être pris Wafer avec Death Touch. C'était les vacances. Non, ouais, j'avais tellement de cœur rouge. En mode normal, avec tellement de cœur rouge, je pense que si, j'aurais quand même pris Yalo. A plus YouTube. Mets un pouce bleu.